بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous avez remarqué dans le titre d'aujourd'hui que l'on va traiter ensemble, Inch'Allah, le sport et le juste milieu, et plus précisément, on parlera de, comme vous le savez, ce qui est un peu normal, le sport le plus réputé, le plus connu chez les garçons, donc c'est le football. Et on ira comme ça, crescendo, au fur et à mesure, vers donc certains sports, peut-être à la fin, vite fait. Mais ce que je voulais voir donc avec vous, Allah d'alikoum, c'est un petit peu ce juste milieu dans le domaine sportif, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc justement donné ce corps et nous a justement donné ce qu'on appelle les droits, des devoirs, obligations. Et on est censé s'occuper de ce corps, l'entretenir. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas un don définitif. C'est seulement le temps de ta présence sur terre. Et tu devras toute ta vie t'occuper de ce corps et le ramener à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est pour cela qu'on a des règles, par exemple, dans tout ce qui est le domaine de la chirurgie. Chirurgie, que ça soit esthétique ou bien chirurgie, par exemple, lorsqu'on a vraiment un problème, maladie, ceci, cela. Donc on se renseigne toujours pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme chose que l'on pourrait faire pour ne pas peut-être enlever ou retirer certaines choses qui pourront porter préjudice, par exemple, à ce corps. Tu as tous des sujets qui parlent des dons d'organes en étant vivant, dons d'organes en étant mort. Très compliqué, hein, donc ça ne sert même à rien de me poser des questions par rapport à ce sujet-là, je vous le dis déjà à l'avance, hein, parce que c'est un domaine qui est sincèrement très compliqué et dont je n'ai jamais pris le, ou bien eu plutôt le courage de mettre les pieds dedans. Donc ça, c'est plus du domaine de fatawa chez les mashayikhs. Mais vous remarquerez, subhanallah, il y a un tas de livres, il y a même des mashayikhs, par exemple, comme Cheikh Shankit al-Janki, Hafidahullah, d'Arabie, qui avait fait par exemple tout un travail de doctorat sur al-ahkam al-jiraha al-tibbiya, ça veut dire même dans le domaine, hein, de la chirurgie, il y a tabarakallah des travaux de doctorat, des volumes entiers, ça veut dire rien que pour aller toucher le corps, alors que il y a des fois, hein, subhanallah, des cas qui font que on doit s'occuper donc de ce corps d'une certaine manière, en enlevant un membre ou autre. Enfin, que penser, subhanallah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce corps et que pour l'instant, alhamdulillah, c'est un bienfait immense, tu n'as pas de problème. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de problème que tu ne vas pas l'entretenir. Et c'est pour ça qu'on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, avec son épouse Aïcha radiallahu anha, un jour donc il fait une course. Le hadith est très connu, les jeunes l'entendent souvent. Il fait donc une course avec elle, elle gagne, elle est encore très jeune, mashallah. Il attend, une période passe, il refait une course après quelques années. Et là, subhanallah, c'est l'inverse. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gagne donc cette course. Et ainsi de suite, on voit que subhanallah, il y a donc ce petit, entre guillemets, ce petit jeu, hein, entre l'homme et la femme, entre l'homme et lui-même, entre guillemets, les enfants. Vous allez retrouver comme ça un tas de petits hadiths qui vous montrent qu'il y avait de l'activité. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aussi, hein, d'apprendre le tir à l'arc, la natation, monter à cheval. Donc subhanallah, et on peut le dire avec toute fierté, on est une communauté du sport. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils parlent du sport, des fois, n'en parlent que d'une manière négative, et on croit que, à cause de certains sports qui existent autour de nous, on pense des fois que le sport est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, ou bien quelque chose qui est d'abord haram, puis ad, à ce moment-là, lorsqu'on va peut-être trouver certaines exceptions, il devient licite là. Et sachez aussi que les savants vous disent que, à la base, tant qu'il n'y a pas de texte qui interdit une certaine pratique, cette pratique donc reste halal jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que de par cette règle, on vous dit, et ça restera jusqu'à la fin des temps, à chaque fois qu'apparaît un sport ou une nouvelle pratique, à la base, elle est licite jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire qu'on décortique un peu ce sport, on voit un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière ce sport, ça veut dire les règles, est-ce qu'il y a de l'argent, ceci, cela. Donc tout ça, on va le voir, Inch'Allah, dans cet exposé. Et à ce moment-là, l'être humain, il avance au fur et à mesure, durant sa vie.
Mais il avance de quelle manière? Ben voilà pourquoi on a mis juste milieu. Parce que l'islam, subhanallah, nous a toujours appris à être dans un juste milieu, parce que si on est trop laxiste, c'est pas bon. Et si on est dans l'extrême, c'est pas bon. Vous aurez toujours, subhanallah, cette demande faite par les savants. Ni on tombe dans l'extrême, ni on tombe dans le laxisme. Et rester dans ce juste milieu, ce n'est pas facile, parce qu'il y a de nouveau un acteur, et maintenant vous êtes habitué, mashallah, à écouter les discours à gauche, à droite, on vous parle toujours de l'âme, un nafs. Et l'âme, subhanallah, elle prend plaisir des fois par rapport à certaines choses, puisque à la base, elle est ammara bisou. Elle aime pousser et ordonner à l'être humain de s'amuser, les passions, les envies, et elle s'habitue vite, subhanallah, à quelque chose. Elle s'habitue très très vite à une habitude, une envie et autre. Donc c'est pour cela que, had le juste milieu, il nous est demandé dans toute chose, mashallah. À côté de cela, vous avez l'être humain. Donc la théorie, elle est là, mais on a l'être humain. Et l'être humain, il est un peu plus compliqué. Parce que l'être humain, même s'il est au courant qu'il y a l'âme, qu'il y a un tas de choses qui gravitent autour de lui, il va toujours essayer, entre guillemets, de trouver une excuse par rapport au temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et pourquoi je dis une excuse? Parce que lorsque l'on prend, par exemple, certaines obligations religieuses qu'on a à faire, et lorsque l'on voit le temps qui nous est demandé pour ces obligations religieuses, et lorsqu'on voit le sport, par exemple, et le temps qu'on y consacre, l'effort qu'on y consacre, on voit que, subhanallah, l'effort est beaucoup plus conséquent côté sport, ce qui est tout à fait normal. Faire un 100 mètres en courant et faire une prière de 5 minutes, par exemple, une prière normale, est-ce que c'est le même effort? Non, côté musculaire, non. Lakin, subhanallah, des fois, on va retrouver un autre étage. C'est un peu plus technique aujourd'hui, entre guillemets. On va trouver un autre étage, qui est la concentration, le stress, ou la même chose. Tu vas trouver certaines personnes, subhanallah, pour un sport, il arrive à avoir une de ces concentrations, mais incroyables, spécialement, par exemple, ceux, entre guillemets, qui font les arts martiaux. T'as des frérots qui font les arts martiaux, et qui, subhanallah, incroyables, on a déjà assisté à des entraînements et autres, le gars, tu peux passer à côté, il ne sait même pas que tu es là. Qu'il est en pleine concentration, parce qu'il se prépare, entre guillemets, des fois pour un entraînement, un championnat et autres. Et puis, subhanallah, on retourne de nouveau vers la prière. Et là, on va être étonné, parce que beaucoup de gens, alors, n'arrêtent pas de poser des questions. Je n'arrive pas à me concentrer dans la prière. Comment retrouver ma concentration dans la prière? Donc, on est étonné. Je dis souvent aux jeunes, c'est impossible, entre guillemets, de me dire, il n'y a pas moyen de se concentrer. Je leur dis, c'est bizarre. Parce qu'en général, quand on aime quelque chose, mais vraiment en dépassant même les limites, tu trouves que la personne est capable de fournir des heures et des heures d'efforts, et est capable de fournir, subhanallah, une concentration intense. Comme j'ai dit, à un point où il oublie ceux qui sont autour de lui. On a même remarqué que lorsque l'on parle de certains sports, par exemple, et je vous ai dit, on va parler en gros, par exemple, du football, parce que c'est ce qui touche beaucoup nos jeunes, et j'ai pris l'exemple du mot, entre guillemets, football. Et vous, subhanallah, prenez les autres sports en général que vous êtes habitués à faire et essayez plus ou moins de les calquer sur ce sport. Parce que quand on réfléchit, on voit qu'en général, que l'on parle des choses positives ou négatives d'un sport, en général, on a beaucoup de points qui se rejoignent, qu'ils soient positifs ou négatifs. À nous seulement de réfléchir et de se dire, tiens, où est-ce que je suis par rapport à cela? Et avant de passer à ce sujet aussi, une remarque à ceux qui ne font pas de sport du tout. Vous aurez compris, il faut bouger. Les shabab, c'est très très important. Parce que, Yahouan, Wallah, et même les sœurs, on peut des fois calculer, entre guillemets, le temps que l'on met dans certaines activités. Même si on est quelqu'un de sincère. Ce corps, tabarakallah, il bouge. Il fournit un effort. Lakin, dès que l'effort qu'il fournit, ne va pas, subhanallah, lui donner le même plaisir lorsqu'il fournit, par exemple, une activité. Prenez le cas du boulot, par exemple, vous travaillez. Le cas du boulot, l'activité que tu vas fournir dépend du travail que tu fais. Il y a des personnes qui travaillent assis pendant des mois et des mois. Il y a d'autres personnes qui font, entre guillemets, les mêmes gestes. Ça veut dire qu'il y a certaines parties du corps qui ne bougent pas. Et puis, subhanallah, prenez aussi les pays dans lesquels on vit. Le froid, l'humidité, la pluie, et ainsi de suite, tout ça joue sur le corps.
Et à ce moment-là, on te dit, ce corps a besoin d'entretien. Il n'y a pas le choix, wallahi. Il y a besoin d'entretenir notre corps. Et voilà pourquoi, alhamdoulilah, de nouveau, même si vous revenez vers la sunnah, vous allez à chaque fois retrouver hein, des compagnons, qu'ils soient jeunes ou qui aient un certain âge, être des personnes actives, même dans le domaine du sport. Puisqu'il y avait même, subhanallah, des petits combats de lutte. C'est vrai ou pas? Il y avait par exemple, parmi les Quraïchites, certains qui étaient réputés. Le hadith est très connu de celui qui était, soi-disant, le fameux casseur du quartier. Là, le mec, vous imaginez le quartier, là, le gars qui dit qu'il n'y a personne qui le bouge. Après, Asim, il est venu, sa patte, il a étalé directement. Bon, c'est bien, c'est pour calmer certains, ça vaut la peine des fois, mais il faut faire attention. Donc, à la Kouliha, le Prophète Asim, il est venu, il a fait un combat avec lui directement. Ça a pris quelques secondes. Donc, regardez, c'était quelque chose d'habituel. C'était pas quelque chose, subhanallah, d'incroyable. Donc on prouve que hein, la personne bougeait. Les activités aussi qu'on faisait avant, ya Shabab, ne sont plus les mêmes qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on va au pays, on voyait, ou bien nos parents nous montrent, on allait chercher l'eau là-bas, on allait faire ceci, on a fait cela. Donc tout ce qui est les nouveautés et les facilités qu'il y a autour de nous, n'oubliez pas une chose, wallahi, elle fatigue le corps, elle tue le corps. On ne fait rien de spécial des fois. Donc vous avez remarqué, mashallah, dans quel dilemme on est. Voilà pourquoi on parle de juste mieux. Soit il y en a qui font rien du tout, tout est électronique, il ne fonctionne qu'avec les doigts, il ne fait rien, ne bouge pas, il ne donne que des petits ordres, par-ci, par-là. Soit on a ceux qui, subhanallah, ont trouvé un juste milieu, jazahumullah, ou bien on a ceux qui sont dans l'excès total, car je n'ai pas le temps. Pourquoi? J'ai entraînement. Et demain, t'as quoi? J'ai entraînement. Et après-demain, j'ai match. Et après-demain, j'ai championnat. Et après-demain, hey, de jour après jour. Hatta même s'il reste un jour de vide, il doit se retrouver avec d'autres personnes pour aller donc voir tel match ou je ne sais quoi. Et vous allez trouver donc, alhamdoulilah, quelques exemples qu'on va vous donner, hein, spécialement dans le domaine du foot. Parce que, pourquoi le football? Parce que, subhanallah, il a mangé beaucoup de notre temps dans notre communauté. Spécialement la communauté maghrébine. C'est parmi les grandes communautés de fans et même de fanatiques dans le monde par rapport au football. Et, tabarakallah, dans les différents domaines, hein, que ce soit dans le fanatisme par rapport au jeu, fanatisme par rapport aux connaissances de la biographie de tous les joueurs, fanatisme par rapport à l'argent qu'on y met, au temps qu'on y met, à l'ardeur qu'on y met. Ils sont prêts à s'attacher au plafond, des fois même, ils sont prêts à combattre au nom du foot et autres. Vous allez trouver, subhanallah, qu'effectivement, hein, les Africains, on est une communauté très rattachée. Et il y a comme ça dans le monde des petites communautés par-ci, par-là, qui ont des rattachements vis-à-vis d'autres sports. Lakin, pour le foot, il faut être honnête, on va le voir, d'après des petites recherches que j'ai fait à gauche à droite, on est des fois très très loin. Et il faut faire attention, Ikhwan, puisque on est et on sera chacun d'entre nous questionné pour chaque minute qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné sur terre. C'est un point important. On veut aussi que, lorsque l'on parle du corps humain, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé, le hadith il est authentique, il est dans Sahih Muslim, que chacun donc d'entre nous, on a le fort et on a le faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'effectivement, le musulman qui est fort est meilleur que le musulman qui est faible. Mais il dit quand même que dans les deux, il y a du bien. Tout ça pour ne pas rabaisser aussi celui qui est faible. Mais on te montre toujours qu'alhamdoulilah, on a besoin de quelqu'un de, mashallah, actif, de bien portant, qui s'occupe de lui, de son corps, donc, qui avance. Pas quelqu'un qui reste toujours le dernier, le petit faible, et qui se plaint tout le temps et qui est toujours en retrait. Loin de là. Lorsqu'on va voir dans les fatawa, qui nous parlent un petit peu du sport, on te donne déjà, subhanallah, regardez, quelques petits critères de base. Et c'est très étonnant. Donc c'est tout un petit, on va dire entre guillemets, résumé, mais un conglomérat de fatawa, vous allez voir. La première chose qui ressort tout le temps, on te dit, il ne doit pas provoquer de désordre social. C'est étonnant. Là, quand tu lis certaines fatawa de Machère, tu te demandes, subhanallah, est-ce qu'ils avaient, certains, wallah, ils étaient comme des visionnaires, façon de parler, comme des gens qui voyaient loin. Ça veut dire qu'au début, nous, on a toujours un regard très basique. L'être humain, souvent, il a un regard très basique. Il voit l'action, ça lui plaît, il s'y attache. Très rapide, wallah. C'est très rapide. Même si c'est un nouveau sport qui apparaît du jour au lendemain. Il voit, ça attire, on part. Enfin, les mashaykh avant, subhanallah, il te dit, attention, on a, toujours dans la communauté musulmane, on a un ordre social à suivre. Il n'y a pas le choix. Tandis que le désordre, automatiquement, chez nous en tant que musulmans, c'est quelque chose de néfaste. Ce n'est pas bon pour la communauté.
Parce qu'il y a tout un système hiérarchique, il y a tout un système de respect, et quand on parle de respect, on est obligé, en tant que musulman, de penser à sa famille, ses voisins, qu'ils soient musulmans, non musulmans. Donc le désordre social, en général, est souvent rejeté dans la communauté musulmane, spécialement dans nos textes. C'est pour cela que certains jeunes, c'est une parenthèse, sont étonnés des fois lorsqu'ils lisent certains sujets, et ils mélangent, entre guillemets, entre se fâcher ou être fâché contre, par exemple, un chef d'État à cause de problèmes qu'il y a dans le pays, et il mélange avec les manifestations, et il mélange avec je ne sais quoi. Donc on le remarque, on entend et on voit, et on le voit dans les forums, un tas de, subhanallah, de petites disputes ou de prises de bec et de parole par rapport à et pourquoi on ne sort pas, et pourquoi on ne crie pas, et pourquoi on ne fait pas. Ils sont étonnés que l'ordre social, chez nous en tant que musulmans, il prime. Parce que des fois l'action que tu vas faire peut, subhanallah, se répercuter sur le reste de la communauté, en partant de ta famille, le voisinage, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas directement, les shabab, vous empresser dans le jugement par rapport, des fois, à ce qui se passe un peu dans le monde et autres. Il y a des règles. Et c'est pour cela que chaque comité de fatwa voit d'après, subhanallah, la situation dans laquelle ils vivent, et voit un peu les limites qu'ils ont, voit aussi ce qu'on appelle « maslaha » et « mafsada ». Ces deux mots, Allah, ils vont revenir très souvent dans votre vie. Vous allez les entendre très souvent. Quel est le bien fondé dans un acte, lorsqu'on veut le faire, et quel est, des fois, le mal, ou qu'est-ce qui pourrait en sortir de négatif si jamais on le fait. On réfléchit tout le temps à cela dans notre communauté, ou ça, dans la famille des savants. Parce que c'est des personnes qui sont des fois, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un peu en retrait, et ils voient la société de loin, et ils te disent faites attention. Eh bien des fois, subhanallah, certains sports, wallah, ils peuvent provoquer un désordre social. Et on va le voir après. Deuxièmement, on te dit que le sport que tu dois faire, ou que tu veux faire, afwan, ne doit pas développer chez le joueur ou les joueurs, ou bien les supporters, des élans de haine et de dissension. Les savants te disent que si jamais tu veux te lancer dans un sport d'équipe, il ne faut pas que ce sport te pousse à avoir des élans de haine et qu'il commence à y avoir des tensions entre les personnes. Donc je crois que vous commencez déjà à remarquer ou à ressentir où est-ce qu'on va petit à petit. Et je voudrais que, inshallah, au fur et à mesure des petites idées que je vais vous exposer, que vous preniez à chaque fois, soit le football par exemple, parce que c'est un peu le sport qu'on m'a demandé, entre guillemets, de traiter, soit un peu les sports qu'il y a autour. J'ai demandé exprès de changer le titre, parce qu'à la base c'était de parler du football, hein, quand le frère Mohamed Zahullah m'avait demandé pour le titre, mais c'est une petite parenthèse, j'ai pas eu l'occasion, parce que j'étais très très pris par un petit problème qu'on a eu sur Bruxelles. C'est que, comme vous savez, il y a deux semaines, il y a eu un jeune donc, qui est rentré dans une mosquée, il a mis le feu. Il a mis le feu dans une mosquée chiite, et donc l'imam est mort asphyxié dans la mosquée. Et il y a eu d'autres blessés, donc l'imam est mort, et moi, il m'y a eu toute une ruine. Et subhanallah, vous savez la presse comment elle est, donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va faire un acte, ben, il faut absolument trouver les boucs émissaires. Enfin, c'est tombé qu'une journaliste d'origine turque, donc, je précise pourquoi, parce que bon, ça se voyait que la personne ne connaissait pas, ne savait pas vraiment de quoi il s'agit côté dans les règles religieuses. Et donc, subhanallah, le lendemain, donc elle a fait dans le grand journal très connu chez nous le soir, ils ont traduit un passage à elle, toute une étude à elle qu'elle a fait à mon sujet. Deux pages, tabarakallah, même les ministres, ils n'ont pas eu ça en Belgique depuis des années. Voilà, j'ai reçu deux pages du grand journal le soir. Sur le radicalisme et je ne sais pas quoi, au cas d'amour, tout un mélange. Et ils étaient étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit rappel maintenant, ils étaient étonnés que par exemple dans un dars, donc ils viennent, c'est dommage, les conférences comme vous le voyez sont ouvertes à tous, on cache rien, alhamdoulilah, c'est un discours dans le juste milieu et autres, mais donc toujours dans la presse ils font passer comme quoi ils sont rentrés en cachette et ils ont dû se cacher, ils ont dit, c'est un oui bon, la personne qui... comme je leur ai répondu, on a des convertis, on a tout le monde honte, c'est pas parce que le gars il a une apparence française qu'on va lui dire donne-moi ta carte d'identité et il y a un cachet, je sais pas moi, il y a un vaccin qui prouve que t'es musulman, ça n'existe pas. Mais donc il y a tout ce cinéma un peu autour, et ce qui m'avait étonné, subhanallah, c'est que quand donc ils sont venus entre guillemets, comme ils appellent ça eux, en cachette à la mosquée pour écouter mon discours, on arrivait au fatwa, et il y avait une des fatwas par exemple, c'était une des questions sur la boxe. Ben, vous savez très bien, donc La boxe en elle-même, ben, y a un tas de petits chapitres. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire, comme il y a des choses que tu ne peux pas faire.
tu viens, je t'entraîne à taper dans un sac. Tant que tu tapes dans un sac, est-ce que tu vas me dire c'est haram, c'est illicite? Déjà rien que le mot haram, ça les a choqués. Ils ont mis ça dans le journal. Ils ont dit on a été choqués que le discours chez les conférenciers, c'est que le mot haram, 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 donc qui crie haram. Mais non, chez nous c'est un terme, subhanallah, qui est tout simplement, wallah, est très beau, très noble. Pourquoi? Parce qu'il ne représente que quelques sujets qui sont interdits pour le musulman. Tandis que le reste, subhanallah, quand tu vas voir tout le licite qu'on a, tout ce qui est halal, tabarakallah, c'est des tonnes et des tonnes. Et ils ont été étonnés d'entendre qu'effectivement, les musulmans font des remarques par rapport, par exemple, à la boxe. Quand j'ai dit, voilà, dès qu'on doit toucher le corps humain, eh bien, on ne peut pas casser le corps humain, on ne peut pas lui porter préjudice, on ne peut pas toucher le visage. Ils en ont fait tout un tollé. Monsieur Haddesh interdit la boxe. Ça n'a rien à voir. Et j'avais même donné l'exemple, j'ai dit, voilà, regardez par exemple Mohamed Ali, comment est-ce qu'il est devenu, Kada. Donc il y a des sports qui laissent des séquelles. Et pour nous, en tant que musulmans, on a justement, subhanallah, cette responsabilité vis-à-vis de ce corps. Voilà, parce qu'on a besoin de garder ses facultés pour pouvoir prier, adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a eu tout un tollé par rapport à cela, subhanallah. Enfin, c'est pour ça que j'avais dit alors à Mohamed, hein, je sais que certains ne comprendront pas le titre, donc on a mis le sport en général, et donc nous y voici. Donc troisième point, il ne peut pas occasionner de danger sur le corps humain. Il ne peut pas. Ça c'est la règle chez nous dans le sport. On ne peut pas faire du mal à son corps, ni, subhanallah, au corps de l'autre, ni vouloir la perte de l'autre. Ça vous rappelle, subhanallah, certains styles d'arts martiaux. Je sais de quoi je parle. Dans ma jeunesse, j'ai fait du foot pendant des années, jusqu'à 17 ans, et j'ai fait aussi des arts martiaux pendant des années. Et des fois, les entraîneurs étaient étonnés que quand il y avait championnat, on refusait. On était quelques jeunes, on refusait. Ils ne comprenaient pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas au championnat, ben vous savez très très bien, tu peux aller au championnat, tu fais les kata et compagnie, par exemple en karaté, tu es à l'aise. Mais dès que tu commences à faire ce qu'on appelle les combats, ben déjà dans les combats, Audi, il y a deux styles. Soit tu contrôles, il y en a parmi nous qui font les arts martiaux sûrement. Soit tu vas donner un coup, mais en contrôlant, c'est-à-dire en t'arrêtant à peut-être un millimètre du corps de l'autre, jusque-là, alhamdoulilah, c'est bien, c'est des points, voilà. Soit, comme vous savez, des championnats tout style, freestyle, allez, vas-y. Donc le gars il vient, toi tu fais du taekwondo, l'autre il fait par exemple du shotokan et on y va. Premier qui descend l'autre. Ben ça par exemple, en islam, voilà, on a des règles. Et ça étonne des fois certaines communautés, ça étonne, mais alhamdoulilah, au contraire, chez nous c'est noble. C'est pour montrer que justement, celui qui est en face de moi, mon but à moi en islam, ce n'est pas de le casser, ce n'est pas de le faire sortir du ring à moitié. C'est-à-dire il rentre avec tous les membres, mais il ressort avec un membre en moins. Ce n'est pas le but chez nous en islam. Wallahi, loin de là. Mais c'est seulement se divertir, donner un peu de plaisir au corps, et par exemple, subhanallah, gagner des points, kada, jusque-là, il n'y a pas de problème. Donc, ya shabab, chaque fois que vous voulez vous lancer dans un sport, il faut absolument penser à ce point 3. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occasionner, subhanallah, de dégâts sur son corps ou bien sur le corps de l'autre. Ça c'est un point très très important. Aussi on a un quatrième point auquel on doit penser, c'est tout ce qui est le côté de la nudité. Voilà, parce que nous entre hommes on se couvre du nombril jusqu'au genou, et les femmes la poitrine jusqu'au genou quand elles sont entre elles. Et subhanallah, ces deux points de nouveau étonnent. Mais si on va continuer à parler de l'étonnement, hein, il est tout à fait normal, Yéhouan, que si on s'appelle musulman, c'est parce que, subhanallah, quand on traduit ce mot, cela veut dire qu'on est soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, on a accepté un code déontologique, on a accepté des règles et on avance petit à petit. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est là pour, entre guillemets, frustrer l'être humain ou le rabaisser ou quoi que ce soit, loin de là. C'est purement éducatif, c'est pour montrer l'importance de la parole que tu as donnée et l'importance de ce bien que tu as entre les mains. Voilà. Et qu'on arrête toujours de chercher des fois derrière ce qu'on appelle une règle, le rabaissement de l'autre, et pourquoi est-ce que je ne peux pas voir ceci ou cela. C'est parce qu'il y a toujours une sagesse. Nous, le corps humain, par exemple, quand on fait attention par rapport à ce qu'on regarde, wallah, il y a une sagesse derrière. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a, subhanallah, que ce soit en France ou en Belgique, par exemple, des femmes, même non musulmanes, qui demandent, par exemple, qu'il y ait des centres de fitness que pour
femme, c'est connu. Mais dès que c'est un musulman qui en parle ou une musulmane qui en parle, on voit directement le spectre, subhanallah, du rejet de l'autre et de l'intégrisme ou je ne sais quoi. Là, badan, wallah, il y a des femmes non musulmanes qui le revendiquent, qui demandent, qui disent « je préfère m'entraîner entre femmes, je n'aime pas le regard de l'homme sur mon corps ». Ça existe, subhanallah. On ne peut pas faire semblant que voilà, c'est seulement les musulmans qui en parlent, loin de là. Il y a aussi des personnes qui sont très pudiques, qui ne veulent pas montrer leur corps à d'autres. Et c'est là qu'on voit, subhanallah, la beauté de cette religion, c'est qu'elle a pensé à tous ces détails, alors qu'on était où, lorsqu'il y a eu cette révélation ? À la Mecque, subhanallah. Où étaient les salles de fitness à la Mecque ? Quel cours de body il y avait là-bas ? Quel majdi il y avait ? Tout, subhanallah. Pour ça, certains qui sont entrés dans l'islam, et même d'autres qui ne sont pas encore entrés, quand tu discutes avec eux, ils vous disent, c'est vrai, c'est très visionnaire, ça veut dire, ça va loin. Il y a des règles qui, à la base, quand on les entend et qu'on se dit que cette règle a 1400 ans, c'est pas possible. Pourquoi parler de tous ces détails-là, alors qu'il y a 1400 ans, puis on avait une petite oasis là, c'était un petit village. Et il n'y avait rien de spécial. Et c'est ce qui fait l'aspect, subhanallah, miraculeux de cette religion. Aussi, cinquième point, ce sport ne doit pas détourner le joueur et même des fois le spectateur du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des conférences ou de sa prière. Ça c'est aussi un point important. Ça c'est un dilemme qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de plaintes viennent des fois du côté des femmes ou bien des maris, puisque maintenant alhamdoulilah, même les femmes, il y a moyen dans le licite, il y a des salles de sport pour femmes dans les règles et autres, et chacun commence à se plaindre l'un de l'autre en disant tiens, c'est pas normal, il part s'entraîner, alors que cinq minutes après, il y a l'heure de la prière, et pourquoi il ne passe pas à la mosquée, on va en parler un peu, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et les deux comme ça se jettent la balle au fur et à mesure. Et sixième point, on vous dit attention, attention à ce qui peut des fois découler, ou bien à ce qui peut tourner, graviter autour du sport, comme par exemple les jeux de hasard. Bon là, vous serez étonné combien de jeunes chez nous, moi je parle par exemple sur Bruxelles, tous les petits, vous savez, les petites librairies là où vous venez parier pour le football, comment vous les appelez vous ici ? Les bars à tabac là, Yac ? Hein ? Où tu viens pour parier pour le foot ? Hein ? Ah, chez nous c'est catastrophique. Ah non, c'est catastrophique. Les gens, subhanallah, ont rendu cela facile alors que c'est interdit dans le Coran et la Sunna, les jeux de hasard. Pourquoi ? Parce que on ne peut, entre guillemets, avoir une communauté où l'un profite de l'autre, où l'un spécule dans le vide, et met des fois tout son argent, l'argent même de sa famille, subhanallah. Et des fois on t'apporte comme excuse, ouais mais des fois il gagne, non, on ne fonctionne pas avec des fois. Hein ? Et on sait très bien que tout cela est bien calculé statistiquement et ainsi de suite. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'a interdit, wallahi ça a été, et c'est encore, et ça restera jusqu'à la fin des temps, un bien pour l'être humain. C'est pour ça, les shabab, conseillez les frères, hein, ou bien même côté sœurs s'il y en a, ceux qui, subhanallah, jouent comme ça au jeu de hasard. Là, ça devient même, vous savez, il y a même dans certains hôpitaux maintenant, des services qui s'occupent de ceux qui sont et qui deviennent malades de ce genre de jeu. Des gens qui sont en faillite totale, c'est-à-dire qui sont vraiment dans les dettes, l'ahfad, et d'autres même, et j'ai eu des cas, wallahi, qui se suicident, tentative de suicide, tellement il est endetté et il a parié des fois son salaire et ainsi de suite. Et ça, c'est avec preuve, hein. Ce n'est pas des on-dit ou quoi que ce soit. Cela existe et il y a même des émissions qui en parlent. Hein ? Et na'am, ça c'est lorsqu'on tombe justement, comme vous le savez, des fanatiques. Et justement, s'il fallait parler de fanatiques, on dirait que subhanallah, c'est le titre justement en face de moi. Donc, aïdaullah, il est fanatique, il est passionné. Ben, le football, vous savez, qu'est-ce que ça représente, subhanallah, pour certaines personnes ? Il y a du positif comme il y a du négatif. Pour certains, subhanallah, c'est une obsession. À un point où ils ne parlent que de cela. Ça veut dire des fois même, certains n'ont même pas le temps d'étudier et à cause de cela, arrêtent même leurs études. En gros, là, c'est quoi ça ? Je vous donne un simple exemple. Parmi les petites plaintes qu'on a vis-à-vis de certains parents, et spécialement ceux qui ont la parabole à la maison, qu'est-ce qu'on fait ? Ou spécialement vous qui avez maintenant des réseaux télévisés qui sont beaucoup plus élaborés que la Belgique, qu'est-ce qui se passe ? TPS, tous les canaux là qu'il y a. Et tu vois le gars, il achète des cartes spéciales, carte Real Madrid, carte de Calcio d'Italie, carte de Cada, et il est au courant de tous les matchs jour et nuit. Il lâche pas. Il y en a qui rigolent parce qu'ils savent de quoi je parle. Il lâche pas. Il n'y a pas un championnat qui passe. Là, c'est un laboratoire chez lui à la maison.
c'est-à-dire pendant qu'il voit un match spécial, il y a l'appareil, le recordeur là, lui, il enregistre déjà l'autre match qui est en différé. Et des fois, il appelle même ses potes, t'as enregistré le troisième match d'eux. Et des fois, Ad, le soir, il va revoir les autres matchs l'un derrière l'autre, jusqu'à ce que me disent des fois certains parents, mon fils a dormi à 4 heures du matin. Et Naam, ça existe. Donc le fanatique, c'est pas quelqu'un, hein, entre guillemets, de simple. Hein, parce que des fois, c'est une personne qui, le jour, tu peux le trouver comme un zombie, là, bizarre, endormi. Toi, tu crois que c'est quelqu'un qui est zen. Non, il est pété, il est crevé, le type. Ah, Naam. Il y a des matchs, je vous donne un simple exemple. Quand le Real joue contre le Barça, c'est connu ça, hein, Classico, ça, quelle heure? La plupart du temps, c'est à 22h. 22h. Et j'aime bien, moi, quand c'est le mois de juin, tout le monde cherche une fatwa pour regrouper le Maghreb et l'Acha. Pendant l'année, il n'y a personne qui demande. Hein, il y a moyen de rester réveillé jusqu'à 22h pour voir 90 minutes de foot. Je ne parle même pas des prolongations si jamais c'est la Copa del Rey. Hein, et les prolongations et tout le reste. Oh là là. Ah, je vous montre des photos. Moi, j'ai des amis fanatiques qui m'envoient des fois des photos avec même un gâteau Barça. Fait dans une boulangerie marocaine. Gâteau de Barça. Et dans là, avec de la pâte et compagnie. Les boulangers, ils savent de quoi je parle. Faites gâteau Barça. Et ils m'envoient des photos. Hatta, je regarde. Oh là. Une fois, Allah, j'ai été invité chez un frère, on a terminé, puis il dépose gâteau. Je vois le gâteau de Barça, Allah al-Adim. Chéchéd. Allez, ouah, c'est bien. Eh, naam. Ça, c'est un fanatique. Ça part de la casquette jusqu'aux chaussettes. Mais un kamis, il n'y a pas moyen. Un siwak, il n'y a pas moyen. Eh, regardez. Wallah, on va. Oui. Vous avez remarqué, yak. Un livre de religion, il n'y a pas moyen. C'est aussi quelqu'un qui est capable, subhanallah, de se bagarrer et de rompre même les liens familiaux. Un match, sont assis entre cousins, son frère il est Barça, on va beaucoup parler de Barça et Real parce que c'est les plus connus, son frère il est Barça, l'autre il est du Real. Quand c'est 0-0, à l'aise. 1-0, il y en a un qui rigole plus. 1-1, on re-rigole à deux. 2-1, c'est ruina. Et si c'est 3-1, c'est zikilma. Et naam. Parce qu'à ce moment-là, c'est une étincelle. Dès que un, subhanallah, va dire un mot de travers sur l'équipe de l'autre, wallah, il y a des jeunes qui se battent à la maison, qui s'insultent. Et naam. Comme il y en a, chez nous à Bruxelles, qui se sont déjà pointés après un match. Maroc-Algérie. Et naam. Chez nous à Bruxelles, un des matchs qui fait le plus peur, c'est comme vous ici, à France-Algérie par exemple. Chez nous, dès qu'il y a Maroc-Algérie, wallah, certains quartiers, les parents ils sortent pas. Ils te disent c'est ruina aujourd'hui. Allahu Akbar, c'est ça l'islam? Non. Et on a eu des gars, chez nous on dit pointé, ça dérive avec le couteau de l'ahfad et hops. C'est vrai qu'on m'a dit chez vous, c'est un autre mot. Mais Allah al planté, voilà. Il plante le couteau. Mais ça, on vient de Belgique, on ne va pas étudier tous les dialectes. C'est parce que j'ai dit le mot, après, je me suis rappelé qu'un jeune m'a dit, ah, chez nous c'est autre chose. Mais bon, vous savez qui parle, hein, c'est un Belge. Donc on ne connaît pas tous les mots. Donc subhanallah, il vient, il plante le couteau. Pourquoi? Parce que le gars, il est sorti et... Donc, regardez. Quatrième point aussi. Afwan, troisième point. La défaite, il ne connaît pas. Ça veut dire, subhanallah, à chaque fois que tu dois discuter, il a le dernier mot. Il a toujours des explications pendant une heure, pendant une demi-heure. Et je crois que... Et c'est parce que c'est la balle qui a tourné. Et parce que... Non, tout ça, on le sait islamiquement. Allah, c'est des futilités. Quand je dis le mot futilité, ça veut dire quand ça devient, subhanallah, des discussions dans le vide, stériles. Chez nous en islam, on le sait, le prophète a dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Ça veut dire que, subhanallah, celui qui dit qu'il croit en Allah au jour dernier, qui dit du bien ou qui se taise, ça veut dire que nous on est capable, des fois, pendant une heure, on peut discuter à cause d'un goal. Pendant une heure. Ils vont refaire, des fois, wallah, j'ai même vu de mes propres yeux, des gars, ils sont, on est comme ça, assis au quartier, bêtement, Aïda, moi je regarde, allez, et Drali, tu les vois, il vient, il replace même ses copains, comme dans le match. Fais, trappe là, le type, il était là, trappe comme s'il n'est pas savoir. Bouge, par là, toi, viens par là. Et quand tu viens, tu lui dis, je me suis trompé dans une rek'a, comment je refais? Il était, il bégayait, tétanisé, c'est plus quoi dire. Oh, tu viens de me placer 22 joueurs. Plus grand des entraîneurs, il ne fait pas en 2 secondes dans une rue. Toi, direct avec Drake, tu m'as placé toute une équipe. Je te demande de corriger une rek'a où tu t'es trompé, il n'y a pas moyen. Kif. À l'aise? C'est un gros problème, wallahi.
Hein, s'il y en a parmi nous maintenant et qui m'entendent, Wallahi, c'est un gros problème. Tu es capable, subhanallah, d'avoir un de ces schémas techniques dans ta tête, mais incroyable. Et si je te demande le schéma technique des obligations de la prière, des actes recommandés, ce qui annule, vraiment ce qu'on appelle un genre d'organigramme devant toi, il n'y a pas moyen. Mais que je te demande ça dans le domaine, par exemple du foot, il y a moyen que tu me fasses un de ces plans et que tu m'en parles pendant des heures. Ça, c'est un problème chez nous. Aussi, son état de stress dure des heures. C'est un mec qui vit mal. Il est stressé avant le match, pendant le match et après le match. Mais comme le lendemain, il y a encore un autre match, il est stressé toute la semaine, pauvre. Wallahi. Et la preuve, on entend comme ça, il te fait, non, n'en parle pas, je suis là, stam, assob. Alash, hier, ils ont perdu. Allahu Akbar. Donc, tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala dans un état, soi-disant, de stress. Même pas parce que l'illicite, entre guillemets, a été transgressé, ou bien parce qu'on n'accorde plus de respect à l'être humain ou aux règles divines, là, il est énervé parce que, voilà, son équipe a perdu, il va le rester comme ça jour après jour. Et aussi, cinquième point, il gaspille sans compter. Dernièrement, j'étais dans une rencontre et un jeune, il fait à l'autre, il dit « Wallah, je vais te balancer, Wallah, je vais te balancer ». Et il me regarde. Je fais « Balance trop tard, vas-y, balance ». Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit « Bien, tu vois celui-là, monsieur ?» Il est parti samedi matin jusqu'à Barcelone, Camp Nou, là. Il a vu le match et il est revenu dimanche matin. 432 euros, monsieur. Wallah, je l'ai regardé, je dis « C'est vrai ?» Il dit, oui, monsieur. 432 euros. Billet aller-retour et un billet pour entrer, voir le match et revenir le lendemain matin. Plein de drill le font. Spécialement quand il y a le classico. Ça se réserve à l'avance. Je ne vous parle même pas, j'ai déjà eu chez nous au quartier qui sont farnaqués, qui ont acheté des billets sur internet qui étaient des faux. Spécialement lorsqu'il ne reste que 2-3 points à la fin de la saison, mais qui déposaient 600 euros pour le billet. Allahu Akbar, quand tu lui demandes 10 euros pour la mosquée, non. Il n'y a pas. Tu demandes 10 euros pour une sadaqa, pour un proche dans la famille qui est peut-être malade, qui a besoin d'une opération, chahd. Mais on va mettre des sommes faramineuses pour aller tout simplement voir, par exemple, un match. Et tout ça, vous savez, ça existe. Mais à côté de cela, subhanallah, j'ai trouvé des beaux textes de certains, ma chère, qui te disent que normalement, si ce sport est joué comme il se doit, Hatta ibn Taymiyyah, rahimahullah, il en parle du football, c'est incroyable. Wallah, j'ai trouvé un texte de ibn Taymiyyah dans les Fatawa al-Misriya, qui parle du football, mais qui était joué en ce temps-là avec le système anglais, c'est-à-dire c'était avec les chevaux. Ça existait déjà, ils jouaient au football, mais sur les chevaux. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il en parle. Mais qu'est-ce qu'ils disent quand tu reprends de nouveau? Il te dit que normalement, si ce sport était joué comme il se doit, il te dit, c'est un sport qui, entre guillemets, aide la personne à comprendre qu'est-ce que se rassembler et ne pas se disperser. L'union et pas la division. Pourquoi? Parce que c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Et beaucoup de sports comme ça, subhanallah, sont des sports d'équipe ou bien des fois individuels. Mais en général, tu remarques dans les fatawa et autres, tout ce qui est les sports d'équipe, on te dit, mashallah, il y a du positif derrière. Parce qu'il y a une amitié qui se fait entre les gens qui pratiquent ce sport, il y a une aide mutuelle, il y a ce qu'on appelle le fait de ne pas être quelqu'un qui va s'amuser donc à jouer tout seul et ainsi de suite. Donc il te dit, mashallah, il te dit aussi que s'il n'y a pas d'animosité, de haine, s'il y a un esprit de groupe et que l'individu, subhanallah, est plus fort quand il est accompagné avec ses frères. Et donc on te dit, il y a tout un esprit d'équipe. Mais il faut être honnête. Aujourd'hui, il y a un gros pourcent de tous les points là qu'on vient de dire qui sont délaissés. Et c'est souvent de ce qu'on appelle quand est-ce qu'il y aura donc ce bénéfice, quand est-ce qu'il y aura avec le gain de ce qu'on va faire. Et ça maintenant, c'est ce qu'on appelle entre guillemets ceux qui des fois s'entraînent. On a par exemple les parents qui prennent les petits-enfants pour s'entraîner au football. Ça, jusque-là, c'est bien. Mais des fois, et ça, on assistait à cela. Hein, si vous avez parmi vous des personnes qui le font, bien que vous connaissez, il faut les conseiller. Des fois, tu entends, par exemple, le petit qui va entendre de son père, qui va lui dire « Pense d'abord à toi ». C'est drôle, hein ?« Pense d'abord à toi ». Ça, combien de fois je l'ai entendu? Quand on allait à des entraînements, entendez le père, il dit « Pense d'abord à toi ». S'il y a moyen que tu marques, « Ara, elle marque ». S'il y a moyen que, « Elle fait ». Wallah, je l'entendais au foot ou bien dans les arts martiaux.
C'est, et nous, on ne remarque pas, subhanallah, l'implication que, ou bien même l'imprégnation que ça peut avoir sur ton enfant. Ça peut imprégner ton enfant depuis qu'il est petit à devenir, subhanallah, quelqu'un qui va fonctionner que pour lui. Pourquoi ? Parce qu'on n'étudie pas, subhanallah, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière dès que l'action que tu es en train de lui apprendre ? Quand tu lui apprends à tout simplement être celui qui va faire les choses que pour son bénéfice à lui. Alors que l'islam, subhanallah, t'apprend le partage, t'apprend à vouloir le bien pour l'autre. C'est tout à fait l'inverse. Et on a des fois des parents, jazahumullah, qui inscrivent leurs enfants à certains sports, mais lorsqu'ils les inscrivent, il veut toujours, ou bien il a en tête ce qu'on appelle d'être champion, championnat, premier. Mashallah, c'est bien que ton enfant arrive à un certain niveau. On ne va pas te l'interdire, loin de là. Mais tu devras faire attention à la manière, comment est-ce que tu vas inculquer cela à ton enfant. Pourquoi ? Parce que si tu ne le fais pas d'une bonne manière, ton enfant, Allah, il va commencer à détester les autres, ou bien qu'est-ce qui va se passer ? On l'a déjà remarqué, dès qu'il y en a un qui est, subhanallah, quasi presque au même niveau que lui, il va s'arranger à chaque fois le détester ou à vouloir le casser. À chaque fois. Un point, on a même certains qui vont, des fois, commettre certaines fautes exprès pour éliminer certains. Bah, des jeunes qui me l'ont avoué, wallahi. Des jeunes qui s'entraînent, qui m'ont avoué que voilà, quand on fait des entraînements, écoutez bien jusqu'où ça va, les shabab. C'est pour ça qu'on met en garde maintenant à tous ceux qui pratiquent certains sports et autres, ou bien même pour nos enfants. Il te dit, moi, je me suis arrangé pendant l'entraînement à tacler mon ami parce que c'était moi ou lui. Comment ça, toi ou lui ? Oui. Pour le choix, par exemple, du bac gauche, c'est simple. Soit je le pète et c'est moi qui ai la place. Soit si jamais je ne le pète pas, c'est simple, l'entraîneur il va le prendre à lui. Parce que son père, je l'ai vu, il vient, Kada, il te sort un tas de baratins. Islamiquement, tu ne peux pas. Apprends à arriver à une place d'après ta sueur. Et si jamais il est écrit que tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. Donc tu ne peux pas aller t'accaparer cette chose, mais en employant un acte qui est illicite. Et ça, subhanallah, il faut faire attention vis-à-vis de nos petits frères et nos petites sœurs. Les petits enfants, là, qui sont notre responsabilité, quand on les prend comme ça à un entraînement, spécialement ceux qui prennent leur gosse pour le foot comme ça chaque week-end et autres, ne va pas et n'apprend pas à allumer ton enfant vis-à-vis de l'autre. Et je ne vous parle même pas lorsqu'il faut jouer contre une équipe adverse. Et on allume la haine. Le type, il vient, il fait, tu vois le gars là-bas en face, le numéro 8 là. Ah, il passe pas. Mout, il passe pas. Il apprend ça à son gosse là depuis qu'il est jeune. Et nous, on l'entend des fois en arabe. Bon, là, et quand on avait des fois des matchs, on était encore tout jeune. Il venait nous le dire. Allah, les jeunes t'entendaient des fois même, on nous apprenait à insulter sans qu'on le remarquait. Qtil baba, t'entendais. Qtil baba. Et nous on était là et l'entraîneur qui crie Qtil baba. T'as dit Allahu Akbar. Alors qu'on sortait d'un cours des fois, Allah, la veille, on sortait d'un cours de din et on nous parlait de rahma, de kada, hadi. T'arrives là, t'étais tout content, niya, kada. L'entraîneur il crie, ah, c'est une équipe de l'arabe qu'on avait. L'entraîneur il crie pendant des heures, qtil baba, al-hayawan, al-hadi. Khuruj, khuruj, khuruj. Il te fait sort. Allahu Akbar. Où sont les règles là-dedans? Même les jeunes, quand ils jouent entre eux, mini-foot, et qu'ils vont des fois, entre guillemets, jouer contre une équipe qui ne parle pas la même langue que eux, que font les Maghrébins. Même les autres, sûrement, ils font la même chose. Mais moi, je parle du gars qui se dit musulman. Et ce jour-là, subhanallah, je ne vais pas dire le mot hasard, parce que c'est comme ça qu'ils disent en français, mais ce jour-là, tous les jeunes parlent l'arabe. Allahu Akbar. Et t'entends tous des termes, mais à l'impératif. Maintenant, tu demandes de conjuguer à l'impératif, personne. Mais ce jour-là, harris, fra', ati, Allahu Akbar. Ah, mashallah. Alors, chaque année, je fais des camps de jeunes, et chaque année, on fait mini-foot. Et chaque année, je dois toujours en éjecter 10. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu vas commencer à jouer, tu crois qu'il y a un combat qui commence. Encore dernièrement, au mois de février, on avait notre camp de jeunes. J'arrive dans la salle de mini-foot, rien que pour partager les jeunes. L'effort avec l'effort, les petits maouj, on les éjecte à la seconde. Il y a l'esprit d'équipe. Il y a l'islam. Ça, c'est chez nous, les Maghrébins, c'est dans le sang, ça. Et exprès, qu'est-ce que je leur ai fait ? Wallah, j'ai rien dit pendant quelques minutes. Ça, je les ai laissés, ils ont fait leurs équipes de choc. Et puis, tu vois bien qu'il y a deux, trois équipes de tondu, Msakena, Sarwal Maoui, je les debout. C'est même pas ce qui se passe. C'est même pas c'est quoi le monde du foot. Wallah, je suis arrivé, parce que bon, on est éducateur, c'est notre métier, on doit éduquer, on doit montrer.
Dès que je suis arrivé, je dis, les équipes, placez-vous en face, on pousse, placez le Hayala et tout. Je dis, voilà, comme d'habitude, je dis, vous comprenez pas les consignes, hein. Il fallait attendre l'Amir, hein. C'est moi l'Amir, les gars. Donc je fais les équipes et ils connaissent mon système. Ah, Haddaj Hamim, allez, Haddaj. On fait les équipes, on refait. Je dis, Allah, les chefs d'équipe, là, vous mettez en face. Et j'ai pris exprès tous les Maoujis, je leur ai donné un là, un là, un là, un là. Et puis j'ai repris encore le deuxième groupe de Maoujis, un là, un là, un là. Ah, je leur ai donné dans chaque équipe un bon joueur. Je dis, oh, bismillah, on joue. Wallah, les têtes jusque par terre. Allahu Akbar. Les têtes jusque par terre. Et ça, je le dis devant Dieu. C'est un des trucs qui me dégoûte le plus chez nos jeunes, c'est le qadia du foot. Allez, comme ça. Ils n'ont, ya Shabab, plus aucune pitié à ce moment-là. Ils n'ont plus aucune pitié. À un point même où, subhanallah, tu retrouves que certains, à ce moment-là, commencent même à insulter. Combien de fois on nous fait la remarque, hatta même c'est gênant de le dire, mais des fois il y a des championnats, entre guillemets, je parle chez nous à Bruxelles, inter-mosquées. Et ça se termine par des insultes. Inter-mosquées, wallahi. Parce qu'on a le sang très chaud, spécialement dans certains sports. Et le football ces derniers temps, combien de fois avec certains prédicateurs, on taquine des jeunes et on dit, vous savez quoi, on va vous trouver des fatwas qui vont rendre, entre guillemets, votre manière de fonctionner haram, ça veut dire illicite. Parce que là, jouer un match par exemple de 30 minutes, et dans les 30 minutes t'insultes, tu te bats même, tu lèves la main sur ton frère. Il y a eu des amis, subhanallah, qui étaient amis pendant des années, et la première fois ils vont se disputer, c'est où? Lors d'un match de mini-foot. Combien de fois ça n'arrive pas? Donc à ce moment-là, subhanallah, la règle elle est simple. Si ce genre de petit sport que vous mettez en pratique est capable de casser, subhanallah, cette relation, eh bien il vaut mieux l'arrêter. Et ça vous pouvez demander à n'importe quel professeur, il va vous le dire, n'importe quel savant, il va vous dire non. S'il attire du mal à ce point-là et il casse la fraternité, on va te dire que al-maslaha, la première qui passe avant, qui est bien fondée, c'est quoi? C'est la fraternité. Et à ce moment-là, ce petit sport, il saute. On n'a pas besoin pour l'instant. Aussi, subhanallah, on arrive même que certaines personnes commencent alors à se moquer de l'autre, le rabaissent. Spécialement, les shabab, quand quelqu'un va faire par exemple une action, je ne sais pas moi, il va courir 20 mètres, et puis subhanallah, il va se tromper en te passant la balle, qu'est-ce qu'ils font certains? Rares sont ceux qui, mashallah, c'est rien, Allah d'Alik, viens, on revient. Là, les cris commencent. Alors qu'on sait que Ankar al-Aswad, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lequel? Saut al-Hamir. Et il y en a qui lâchent des cris, qui se rabaissent pour une balle ratée. Pourquoi? Parce qu'il y a une action qui s'est faite, soi-disant, avec 4 passes, et qu'il fallait absolument marquer à la 5e, ou man arafchini, tu les entends crier. Abadan, qui t'a dit ça? C'est un wahya ou là, c'est une révélation ou quoi? Et tu cours, t'es à ton aise, et alhamdulillah, ça passe par Allah aoun. Là, nous pas. Même lorsqu'on fait comme ça, un petit match pour se détendre, et nos frères arrivent quand même à, des fois, subhanallah, se disputer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Certains même, et ça c'est un point important pour d'autres sports, comme par exemple le body et compagnie, il y en a même qui arrivent même à se doper. Aujourd'hui, subhanallah, c'est connu. On le sait lorsqu'on entend parler du dopage, hein, international, mais chez les grands. On a même des jeunes maintenant qui se foutent en l'air dans certains sports. Il y a des jeunes qui me le disent, quand je donne cours à l'école et autres, lycée, collège, il y en a qui me disent, il me dit, ah, monsieur, tu vois l'élève un tel là, tu l'aurais vu l'année passée, c'était un petit gringalet. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il prend des vitamines, cada, et on est sûr, il prend aussi ceci, cela. Quand tu vas lui parler, qu'est-ce qu'il te dit? Eh ouais, monsieur, si jamais tu veux que je fasse le championnat, c'est comme ça chez nous, on doit prendre telle et telle chose. Donc le dopage existe. On croit qu'à la télévision on parle que des grands. Alors que subhanallah, islamiquement, on sait très bien que si c'est quelque chose qui met en danger ton corps, c'est illicite, on ne peut pas. Il y a même des peines, hein, aujourd'hui, vous savez très bien, des peines, hein, pour ceux, c'est pénal, hein, pour ceux qui s'y adonnent. Et des fois, spécialement, ce sera par exemple certains sports où il faut de l'endurance, où il faut tenir longtemps, ou bien où il faut muscler le corps, tu as des personnes, subhanallah, qui prennent certains produits. Et cela, islamiquement, comme vous le savez, c'est illicite. On ne peut pas toucher donc à ce genre de choses. Parce que Allah d'Alik, n'oublie pas une chose. Il se peut que toi tu vas me dire, oui mais ça c'est seulement pour donner du tonus, ceci, cela. T'imagines et vous êtes au courant que certains produits, ya Shabab, ya les jeunes, faites attention. Certains produits provoquent le cancer à long terme. Certains produits, maintenant il est prouvé, ils rendent stériles. Ça veut dire que tu ne sais même plus avoir d'enfants plus tard. Donc il y a un tas de choses qui fait que, subhanallah, on doit absolument se renseigner par rapport à ce que l'on prend. C'est pour cela qu'on vous dit, l'ardalikoum, côté sœur,
et côté frère, ce sont wallahi les mêmes règles. Vous avez entendu ? Ce sont les mêmes règles, côté frère comme côté sœur. Mais, on vous dit, Allah alaikum, il y a ici quelques petits conseils à donner. On a un dilemme par rapport à la pratique religieuse et la pratique du sport. Dans quel domaine ? Dans le domaine, subhanallah, de la programmation de ta prière ou de ton apprentissage religieux. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Soit tu vas rentrer dans la filière officielle, ça veut dire que tu vas t'inscrire dans un club officiel et autre, et tu vas avoir par exemple 3 jours ou bien 2 jours d'entraînement et 1 jour de match. Yak, comment tu fais par rapport à ton programme religieux? Comment tu fais? Et ça, c'est une parenthèse, les frères qui ont travaillé dans les écoles arabes le savent. Beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école arabe, ne vont plus apprendre leur religion parce que mon fils est inscrit dans une équipe de foot. Sahoulala. Et donc, viens samedi pour apprendre le Coran, non, il a championnat. Viens mercredi, non, il a entraînement. C'est fini. Donc ça veut dire des fois nous-mêmes qu'elle fasse de l'oulette. Wallahi, nous-mêmes, on fout en l'air cet enfant parce qu'on n'arrive pas à lui trouver un juste milieu par rapport, subhanallah, à sa vie religieuse et à sa, donc côté spirituel, et à sa vie, alhamdoulilah, sportive. Et le problème, où est-ce qu'il est? C'est là où ça me fait des fois pitié, c'est que la plupart de ceux qui inscrivent leur enfant des fois dans certains clubs, il y a un gros problème quand tu discutes avec eux. Soit tu as un groupe qui a un cauchemar en tête. Vous savez c'est lequel ce cauchemar? Il croit que son fils va devenir Messie un jour. Et il te le dit. Il te dit, moi je veux que mon fils y soit remarqué, et que mon fils après rentre dans une grande équipe, et que mon fils, et je le vois parce que vous savez où j'habite, moi là où j'habite à Bruxelles, Wallahi, comme ça vous allez me dire, ah c'est pour ça qu'apparemment tu as même plus de détails. Je vous ai dit, j'ai fait du foot jusqu'à 17 ans, mais, subhanallah, j'avais et j'ai maintenant, depuis 13 ans, ma façade qui donne sur un terrain de foot. Donc là où j'habite, Wallahi, donc mon balcon, ah, en plus je suis au 6e étage, vous imaginez. C'est gratuit les matchs. C'est en face de moi, le terrain il est là. Terrain comme ça. Tous les championnats ils sont devant moi. Et je vois les entraînements en semaine. Quand je rentre, j'ai la salle de bain, elle donne sur le terrain, parce qu'il est en bas. Hein. Et donc, des fois, quand je vais trop bas, c'est même un automatisme. Je regarde par la fenêtre, et tu vois des tout petits et les parents qui sont là, vas-y, cours, vas-y, vas-y, vas-y. Et des fois, tu te prépares pour aller prier, tu vas, tu reviens, il est toujours là sur le terrain. Une fois, j'ai même demandé à un entraîneur, un belge, hein. Je lui ai dit, excusez-moi, ça, j'ai demandé comme si j'allais inscrire mon gosse et tout. Je dis par exemple, si mon gosse pendant l'entraînement, il prend 4 minutes, fait une petite prière vite fait et compagnie. Bon, j'étais même étonné, je me dis, ouais, pas de problème. Il doit faire quoi? Je dis, bah, c'est comme du foot, hein, il monte, il descend, il monte, il descend. Hein. Ah, il m'a dit, c'est bon, alors, ouais, c'est bon. On l'a, il m'a dit, ouais, c'est bon, il monte et tout. Bon. Il va s'entraîner à 4 heures, il rentre jusqu'à 8 heures. Imaginez-vous en hiver. L'Asar, le Maghreb ou l'Acha. Aucune prière. D'autres, subhanallah, vont s'entraîner dans certaines salles, alors que la mosquée est là quelque part. Et la prière se fait. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Là, regardez quel dilemme, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il te dit? Non mais je transpire et non mais je cada. Pourquoi tu es stressé comme ça? Celui qui t'a donné la force de porter des poids par exemple, celui qui t'a donné la force de pouvoir courir, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Yahil Karim, ou bien chère sœur, la sœur encore c'est un autre problème. Alhamdoulilah, elle n'est pas obligée d'aller prier à la mosquée comme vous le savez. C'est pour ça qu'on parle plus aux hommes. Mais à ce moment-là, tu as des habits de rechange. Qu'est-ce qui va wallahi, te bloquer si tu vas, tu prends ta douche, tu vas prier 5 minutes et tu reviens à ton entraînement. Ta vie va changer? Naam, positivement. Est-ce qu'elle va changer négativement? Jamais de la vie. Jamais, impossible. Ya Shabab, qu'en faisant subhanallah ce pas-là, en sortant de ta salle, et tu vas, tu fais ta petite prière, spécialement en hiver, les autres périodes c'est très bien, les heures de prière sont très très larges. Mais en hiver que tu trouves nos jeunes comme ça pendant des heures, la salat, il n'y a rien du tout. Le gars il est là pendant 4 heures, il court comme un fou. Et Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans, Shabab, comment tu remercies celui qui t'a donné cette force? Donc ça c'est aussi un dilemme qu'on a
par rapport à ce sujet-là. Et c'est pour cela que, subhanallah, rien n'interdit qu'il y ait comme ça des fédérations de football qui peuvent être, entre guillemets, avec des règles musulmanes, style quand c'est l'heure de la prière, ils s'arrêtent, ils font une prière ensemble. Comme on voit comme ça des petits clubs de mini-foot qui ne sont pas dans des championnats ni quoi que ce soit, mais qui, alhamdoulilah, mettent certaines petites règles. Ça manque. Ça manque dans nos activités sportives. Et à côté de cela, vous avez aussi certaines personnes qui, subhanallah, vont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, penser que si jamais, il va aller faire sa douche et aller prier, qu'est-ce qu'il te dit ? Ouais, mais le vent, il va me frapper. C'est ma qui drabne rih. T'entends souvent ça, il te fait, ouais, mais c'est pas bien pour la santé. Wallah, c'est des phrases qui sont très drôles, ya Shabab. Comment tu peux dire que si jamais je vais aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, je vais aller prier, je vais aller vraiment faire l'acte le plus important dans ma vie, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me châtier, il va me faire tomber malade. De quelle manière ? Comment ? Enfin, subhanallah, remarquez des fois, quand on discute avec notre petite tête, on oublie que des fois, shaitan anaullah est là pour souvent, entre guillemets, nous freiner, nous faire croire que là, tukal ala Allah, si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, wallahi tukal ala Allah. Fais le pas, fais ta prière, avance au fur et à mesure. Aussi, on a certaines personnes qui, subhanallah, spécialement ceux qui sont mariés, délaissent à quelle heure c'est l'Isha ? C'est à 9h-10 ? L'Adhan, c'est à quelle heure ? Vous voulez faire l'Adhan et puis on continue ? Donc on fait comment ? Moins 10, on arrête tout ? Taïm. Ça fait. Donc, subhanallah, on te dit, certains qui sont mariés délaissent leur famille. Spécialement, beaucoup de sœurs se plaignent des maris qui passent des fois des heures et des heures devant la télévision, spécialement à regarder comme ça des matchs, ou bien qui quittent la maison pour aller des fois spécialement dans des clubs et rester regarder comme ça des matchs jusqu'à des midi, minuit, afouane, 1h du matin. Je vous en passe cigarette ou tout le reste qu'il y a. Il faut savoir, ya Shabab, qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nos familles. On a une responsabilité vis-à-vis, ça commence, c'est très simple. Hein. Les premiers au top, c'est tes parents, même si tu es marié. Puis tu as ta femme, tes enfants. Et pour chacun d'entre eux, tu dois leur donner ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de leur donner. C'est-à-dire une présence, c'est-à-dire une éducation, un apprentissage. Et tu as alors plein de sujets qui parlent de communication, dialogue et ainsi de suite. Où est-ce que tu es par rapport à cela ? Quand tu es là, à tout le temps quitter la maison et rester des fois à l'extérieur pendant des heures. Ou bien, quand tu es présent, hein, ça c'est des mots que souvent des sœurs emploient dans des mails. Ils me disent, mon mari, en vérité il est vivant mais il est mort. Souvent, là ça me choquait des fois quand je disais ça, parce qu'ils t'expliquent, ils te disent, il est là mais c'est comme s'il n'est pas là. Ils passent de chaîne en chaîne, télévisée là. Ils zappent de chaîne en chaîne. C'est Shabab, c'est chez nous en islam, hein, ça devient, et c'est même catégorique, dès que ça, ce système de fonctionnement prend de l'emprise sur ta vie en tant que musulman, le système automatiquement, il devient avec un point d'interrogation. Wallahi. Automatiquement, il y a inna dedans. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ce que tu es en train de faire. Tu es obligé de restructurer cette manière-là. Parce que imagine-toi si jamais tu perds ton épouse et tes enfants à cause, subhanallah, d'une balle ou de je ne sais quel autre outil, on va te dire le jour du jugement dernier, qu'est-ce que tu seras capable de répondre ? Qu'est-ce que tu seras capable de répondre ? Deuxièmement, est-ce que tu as, mashallah, un programme tellement structuré dans le domaine religieux que tu te permets de rester des 2 heures, vous savez, 90 minutes à un match, vous savez ce qu'est 90 minutes, subhanallah, c'est 1h30. Des fois, pour taquiner certains jeunes, je leur dis, Taïb, si tu es capable de donner 1h30 pour un match, est-ce que tu donnes aussi, est-ce que tu es juste vis-à-vis de ton créateur, est-ce que tu donnes aussi 1h30 de Coran, de Sunna, de Qiyam, est-ce qu'on donne la même chose ? Là. Si tu as pris la peine de sortir de la maison et de faire peut-être une demi-heure de voiture ou de marche pour aller à ton club, est-ce que tu fais la même chose pour aller à la mosquée ? Là. Vous comprenez pourquoi alors des fois certains savants, lorsqu'ils parlent du sport et qu'ils le citent entre guillemets d'une manière négative, c'est dans certains cas, c'est justement les cas qu'on vient de citer. C'est qu'on a une balance. On a din,
et on a toutes les choses qui font plaisir au corps. Si les choses qui font plaisir au corps dépassent le domaine de din, ça c'est une règle générale, gardez-la bien en tête. À ce moment-là, mets un grand point d'interrogation sur l'action là que tu es en train de faire. Que ça soit du sport, lecture ou n'importe. Je parle par rapport à din. Et ça, subhanallah, c'est dommage de le dire, c'est un gros pourcentage de ce qu'on voit autour de nous. On n'arrive même pas des fois à s'en tirer par rapport à notre programme religieux. Mais à côté, on remplit un tas d'autres programmes et d'autres petites habitudes, le sport, lakin, subhanallah, on ne se pose pas la question, est-ce que, lorsqu'on va rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on va être capable de répondre à certaines questions? Et ça, c'est un point très très important, pour ce qu'on appelle donc ce fameux juste milieu, dans notre pratique religieuse et dans le sport. On va voir un petit peu côté questions. Inch'Allah, les mois prochains, comme vous le savez, le temps va changer, donc l'heure change. À ce moment-là, on a beaucoup plus de temps. Maintenant, comme c'est en hiver, en général, c'est des fois un petit peu serré. Mais Inch'Allah, il y a le qadr ou le kifaya, si on a compris ces quelques règles. Aujourd'hui, c'était un petit peu, entre guillemets, technique, hein, même si c'est, comme vous le savez, c'est un acte d'adoration, à s'entraîner aussi, faire quelque chose de bien pour son corps, c'est bien, mashallah, mais c'était un petit peu, entre guillemets, technique pour voir un petit peu. On vous dit, ici le frère, nous dit, je fais du karaté pour me défendre, mais je sais me défendre, ma mère, donc, m'oblige. Taïb, lorsque on va faire un sport, mais qu'on a, alhamdoulilah, l'intention, comme on dit, de se défendre. Tant que l'intention reste là, il n'y a pas de problème. Mais attention, il y a certains jeunes, ils sous-estiment l'intention qu'ils ont. Vous allez me dire, oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si tu pars psychologiquement avec toujours en tête que c'est pour te défendre, vous savez ce qui va se passer? Le premier qui des fois va bouger, va faire un geste bizarre devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le balayer. Tu vas le jeter direct. Non, sincèrement. Ah, je donne cours à l'école, je le vois. C'est une habitude. C'est pour ça qu'on demande aux parents, faites attention à votre manière de parler à l'enfant. Expliquez-lui toujours que le sport, c'est d'abord un bien pour lui. Ne lui parlez pas alors qu'il est encore tout jeune. Oui, c'est pour te défendre, c'est pour te défendre, c'est pour... Non, ça vient après. Expliquez-lui d'abord les lois qu'il y a, les règlements qu'il y a, le fait qu'il parle d'abord à un supérieur, que ce soit par exemple à l'école, kada, le fait que, tu lui expliques en islam ce qu'est la légitime défense. Parce que chez nous en islam, même le fait, vous connaissez le hadith authentique qui vous parle des deux qui étaient en train de se combattre parce que un se bat avec l'autre et on te dit que les deux vont en enfer, walayadou billah. Ça fait peur. On dit comment ça? Parce qu'on te dit, et que penser de celui qui est en train de se défendre? Il avait l'intention, il a dans sa tête de faire quoi? En restant là avec son épée et à continuer à courir après l'autre? De le tuer. Mais lorsque tu as ce qu'on appelle un cas mais extrême de légitime défense, ben c'est tout à fait normal, tu te défends. Mais jamais avec l'intention de tuer l'autre. Et c'est pour cela que, spécialement les arts martiaux, vous savez très bien, je crois que c'est la même loi en France aussi, ceux qui sont même des fois, on va dire, qui ont ce qu'on appelle avec les premières dames, deuxièmes dames et ainsi de suite, ils sont même considérés comme une arme. C'est-à-dire c'est comme une arme ambulante. Wallahi. Certains qui sont spécialistes dans certains arts martiaux, si jamais un jour il y a une bagarre et que tu utilises cet art martiaux, Wallahi, Martial, tu es arrêté. Tu es arrêté et tu es le premier fautif. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tu as usé de certaines techniques que le gars en face, il ne connaît pas, et que toi, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu que tu aurais pu, entre guillemets, seulement le neutraliser, toi tu viens et tu lui donnes des fois un coup, par exemple, au plexus, ou bien ici dans la gorge, vous savez, carotide et compagnie, et tu le descends directement de l'ahfad. Donc regardez, il y a des fois, subhanallah, des avantages, comme il y a des fois des inconvénients. Donc il faut faire attention à notre manière de parler à nos jeunes. Parce que certains jeunes, ces derniers temps, vous avez remarqué, ils sont très rapides. Ils ont la gâchette très rapide. Moi, je le vois à l'école. Pour un oui, pour un non, ils se frappent. Et je le vois de mes propres yeux que certains emploient des techniques. Bon, là, je le vois. Comment je le vois? Le gars, il vient, il frappe exprès au genou, mais en partant de la droite. Les low kicks, là, vous connaissez. Après, quand je le prends exprès, je lui dis, pourquoi tu l'as fait ça directement? Tu fais quel sport? Ah, je fais kickboxing, monsieur. Et à quoi? Tu viens terminer ton entraînement ici à l'école, ou là? Ah, tu vois bien qu'il veut le casser. Et certains, j'ai pas eu beaucoup, mais certains m'avouent et me disent, oui, mon père m'a dit ou ma mère m'a dit, le premier qui s'approche, tu l'éclates. Te laisse pas faire. Là, Dimashi Tarbiya, c'est pas une éducation. On a des responsables, on a des supérieurs, il y a des règles, tu portes plainte et ainsi de suite. Mais que tu fasses la loi toi-même, fais attention, parce que des fois,
Wallahi, même si, entre guillemets, tu pensais être dans ce qu'on appelle une légitime défense, l'art que tu as employé devient comme une arme. Et c'est toi qui es condamné. Plus que le gars qui t'a attaqué, subhanallah. Plus que lui, hein. Demandez aux adultes les plus petits, si vous avez l'occasion d'en parler aux grands, vous verrez. Il y a des questions qui sont hors sujet, hein, donc c'est pour ça. On fera ça une autre fois. Uhibbuka fillah, ahabbaka Allah, alladhi ahabbtana fihi, ya akhi al-karim. Ici, donc... Bon, apparemment, ça va dans d'autres... Voilà, peut-on faire de la natation? La même chose, on peut la faire, mais, alhamdoulilah, on la fait par exemple entre hommes. Je sais que c'est des questions qui toujours, entre guillemets, choquent, des fois ceux qui ne sont pas musulmans. Mais il n'y a pas que nous, hein. Des fois même chez, par exemple, les juifs qui pratiquent, moi j'ai déjà discuté au centre islamique, j'ai déjà eu la visite de rabbins et tout, ils viennent visiter le centre. Là, il y a quelques années, ils sont venus de Washington. Ils sont venus visiter le centre, trois rabbins, ils avaient une allocution à la Commission européenne, ils sont venus. Ils ont dit, ouais, on voudrait voir votre centre. Et après, subhanallah, je me suis dit, pour une fois que je vais en avoir devant moi, je vais discuter avec eux sur certains sujets, parce qu'on parle toujours l'islam, 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 je leur ai demandé. Sur le qadia de la viande, ceci, cela, vous savez combien de règles? C'est normal. Parce qu'à un certain moment, il rigolait, le gars, il m'a dit, ah, vous avez remarqué, on a beaucoup de choses. Je dis, ouais, mais pour nous, c'est tout à fait normal. Je dis, parce que Moussa, alayhi salam, c'est notre prophète. C'est la continuité de Risala, sahoulala. Et tu retrouves plein de choses qui ressemblent. Eh bien, wallah, ils ont la même chose par rapport à la nudité. Chez les juifs qui pratiquent, ils ont la même chose, que ce soit par rapport à l'hijab, le voile, par rapport à certaines parties du corps qu'on peut montrer entre hommes, entre femmes. Wallah, texto, hein. Enfin, donc, c'est pas quelque chose d'étonnant, parce qu'aujourd'hui, des fois, on a peur d'en parler, parce que chez nous, par exemple, alhamdoulilah, on a des personnes, hein, chez nous en Belgique, on a des locations de piscine que pour femmes, il y a des fois des locations de piscine que pour hommes, et ça embête. C'est vrai qu'il y en a plein qui essayent de porter plainte et de casser ça, mais alhamdoulilah, ce sont des pratiques. On a même eu des fois des sœurs qui ont loué spécialement pour sœurs, et des fois c'est même des non-musulmanes qui sont venus les aider pour les démarches, pour dire voilà, oui effectivement, nous en tant que femmes, on a envie de se retrouver qu'entre nous. On n'a pas besoin qu'un mec il s'incruste dans la piscine, par exemple. Enfin, si, alhamdoulilah, tu as ces règles-là, rien ne t'empêche de faire donc ta petite natation. Donc il y a des petites règles tout simplement à suivre. Et c'est des règles de pudeur, alhamdoulilah. Il y a des règles de pudeur, de l'hishma, qui sont donc importantes dans ce domaine-là. Et aussi, voilà, quand une prière intervient pendant l'entraînement et que je puisse la rattraper en rentrant avant la prière suivante, est-ce licite? Je te dirai, Allah arhamlik al-walidin, Allah irda'alik. Qu'est-ce qui t'interdit, subhanallah? C'est pour ça qu'on appelle ça du sport. Qu'est-ce qui t'interdit, Allah ardalik, d'arrêter 5 petites minutes? 5 petites minutes, c'est une prière. Wallah, imagine-toi, subhanallah, aller faire cette petite prière-là et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, prend ton âme. Au moins, tu es dans ton, ce qu'on appelle dans la ligne chronologique, là. Tu es en train de faire les choses qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, attend de toi, les uns derrière les autres. C'est très très important, ça fait plaisir. Tu arrêtes 5 minutes, ça déstresse aussi. Tu vas, tu te foudas. Ça ne veut pas dire que parce que tu as sué que tu es impur, non. Tu fais tes ablutions, tu pries ta prière. Wallah, ça va durer combien, ya shabab? 5 minutes. Et tu reviens à ton entraînement. Allah irda alik, c'est important. Est-ce que le sport est une obligation pour le croyant? On ne parle pas du mot obligation. Parce que comme vous savez, dès qu'on parle du mot obligation, il y a des textes. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de le sport obligatoire. Mais lorsqu'on dit dans le hadith, Allimu awladakum, certains l'ont mis dans le niveau de ce qu'on appelle l'ordre, dans le osol, hein, on en parle, dans ce qu'on appelle l'impératif dans le domaine de l'ordre. Mais d'autre part, la majorité des savants, alhamdoulilah, te disent que c'est une demande, mais qui n'a pas le sens ou bien le niveau de l'ordre obligatoire. Et ça, bon, je ne vais pas rentrer avec vous dans le détail. Dans le osol, on sait très bien dans le osol faire que l'impératif ne veut pas automatiquement dire que c'est obligatoire à faire. Ça, c'est les petits détails et les subtilités, subhanallah, de la langue arabe, et spécialement dans le domaine donc de al-usul. Dans le karaté, il y a le salut en se prosternant. Qu'est-ce qu'il faut faire? En général, dans les clubs, et on a eu des fatwas à Bruxelles, subhanallah, là-dessus avec le mashayikh, et je termine là-dessus. On te dit, par exemple, si tu vas cligner de ta tête, il n'y a aucun problème. Tu clignes de ta tête, il te dit, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Le seul problème et inconvénient, c'est quand tu dois te prosterner jusqu'au sol. Et ça, on sait très bien que nous, en tant que musulmans, on ne se prosterne que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et alhamdoulilah, des fois, parce que je vous ai dit qu'on avait les arts martiaux, alhamdoulilah, on est passé par là, on allait chez l'entraîneur, on lui demandait.
Et si jamais celui-là n'accepte pas, il est préférable, tu fais quelques kilomètres plus loin, tu trouves un autre entraîneur. Des fois, on lui demandait, voilà, par respect, voilà notre croyance, on a tel et tel petit détail. Est-ce que si je vous salue de la tête, parce que bon, hein, plus que ça. Et alhamdoulilah, tu trouves des terrains d'entente. Comme des fois, tu peux arriver un peu plus en retard. Pas obligé de venir à la première minute. Et puis dès que ça, tu fais, ils font souvent, c'est ce qu'on faisait, nous, il y avait le tatami, en entrant, donc tu clignes de ta tête, comme si tu salues les gars qui sont là, puis tu rentres et tu commences ton entraînement. Alhamdulillah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Daiman, wallah, il va avec l'intention de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, tu as toujours une issue. Fajazakum Allah ya shabab, pour votre écoute. Hein, donc c'était quelques nasa'ih, quelques conseils par rapport au sport, quelque chose qui est très bénéfique pour nous, mais où, comme vous le remarquez, il faut de nouveau, alhamdoulilah, le mettre dans le poids de la balance et voir un petit peu quelles sont les choses qu'on peut faire, quelles sont les choses qu'on ne peut pas faire, où est le juste milieu par rapport à cela. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم ألف بين قلوبنا وسدد خطانا, وسدد خطانا. اللهم ارحم والدينا, اللهم ارحم من ربنا, اللهم ارحم من ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خير الجزاء, والسلام عليكم ورحمة الله.